Lieutenant Idriss, par rapport au défilé, on a comme impression que chaque défilé est précédé d'une musique. Est-ce que chaque groupement a sa propre musique? Non, la musique, c'est la seule musique qui est aussi commanditée par la direction de la musique de l'état-major général des armées, qui sont en habit en barès rouge. C'est eux-là qui vont exécuter toutes les musiques concernant les défilés, puisqu'ils seront secondés par celui de l'armée de terre, mais la base, c'est d'abord, c'est l'état-major général. Donc, ils seront relayé après par l'armée de terre et à partir du premier jour d'honneur. Et distance la musique, entre les détachements. Les cadences commando. Fais pas. Après, avant il y a cela, c'est en pas, commençant pas, par la musique de dans tête. Toutes les, dans tous les défilés, les en musiques avant. Aux cadences marche. Et c'est pour ça qu'on a. Avant, c'est spécialement pour les gardes et la garde de mémoire des nationales de Tchad. Mais nous allons envoyer vers le défilé pédestre. On a le président par une note express. Visiblement, nous avons en face une mosaïque de détachements militaires et paramilitaires revigorés, chacun sur ses marques, prêt à se rivaliser. Alors qu'il fait exactement 11h12 ici, à la place de la Nation, où la température est de 38 degrés Celsius. Et c'est parti avec le détachement de la musique nationale, avec en tête de peloton le tambour-major. Et ça, c'est le dispositif de la musique nationale. Ici au proscenium, c'est la musique de l'état-major général des armées à bien en rouge. La musique de l'état-major général des armées au proscenium, à pied dans sa traditionnelle vareuse rouge. Les Sokoï 25, faut-il le rappeler, sont des avions de chasse, d'attaque au sol, de soutien aérien rapproché et d'attaque anti-char. Et voilà le dispositif de la musique nationale. La musique nationale au passage. Des hélicoptères MI-17. Ici, au passage, ce sont les hélicoptères MI-17. Les hélicoptères MI-17 sont des hélicoptères de transport de troupes, logistiques et d'appui aux
tous ces gens qui viennent de faire des passages. Éclatement. Juste après le dispositif. Yeah.
est chargé d'assurer la sécurité des casernes et celle des autorités militaires. Le bataillon de commandement et de service prend les commandes et organise les cérémonies militaires. Le détachement de la DG.
des cieux suit le détachement de l'armée de l'air. C'est le détachement de l'armée de l'air. L'armée de l'air est chargée de la défense de l'espace aérien du territoire national. Elle participe au transport des personnes et des biens à la demande d'autres ministères et effectue des missions humanitaires. Composé des aviateurs et des fusiliers de l'air. Les fusiliers de l'air assurent la protection des bases aériennes. Et c'est le détachement de l'armée de l'air. Au passage, de l'armée de l'air sous le détachement de la garde nationale et nomade du Tchad, la GNNT. La garde nationale et nomade du Tchad est un corps spécifique du territoire. Elle a pour rôle la sécurité des édifices publics et la protection des autorités administratives. National, au passage. Vous avez dit, le lieutenant, que c'était la première formation militaire au Tchad. Oui, parce que la garde nomade est en train d'arracher ici les salles d'applaudissement du public. La garde nomade qui vont installer en blanc. C'est le mécanisme, vous allez voir les tenues vestimentaires ressemblent à ceux du qu'on appelle la garde nomade. C'est le détachement. De la garde nomade au passage.
s'occuper de ces monnaies, ils allaient démobiliser les habitants et en même temps profiter pour créer une armée. C'est pour ça qu'on a commencé des acteurs d'armée, les militaristes, ils ont pris le rôle actuellement. Ils vont continuer les transits, ils vont suivre les conflits dans tout le monde, dans tout le monde. La police nationale est depuis une belle heure dans le bain parce que avant elle est habituée à, au défilé mannequin comme on l'a dit tantôt. Et comme maintenant on a exigé à ce que tous les corps soient dans le même diapason, c'est pourquoi la police nationale aussi est habituée au rythme. Vous voyez comment elle cadence, elle est formée d'abord par les gardes, par la garde nationale du Mali du Tchad et pour un temps. Après, on a choisi l'officier de police pour pouvoir relayer cet agent de garde nationale du Mali Tchad. Raison pour laquelle vous allez voir la police est dans le bain, elle cadence comme les corps constitués. Et vous voyez, elle a sa façon propre de cadencer et elle maîtrise. Pourquoi ? Parce qu'elle vient d'entrer dans le bain, mais elle ne peut pas vraiment faire l'échec. Pourquoi ? Vous voyez comment est la position de l'étendard l'arme, vous voyez, l'étendard et sa garde bougent au mouvement et aussi les éléments qui suivent avec les commandants, vous allez voir, ils sont en train de cadencer, même pas. باعتبارها أول قوة عسكرية تمت هيكلتها وتم تنظيمها بعد أن كانت قوة أمنية فعلا ولكنها تقليدية لحماية السلطات التقليدية من الشيوخ التقليديين والسلاطين أيضا. حدثنا قليلا عن تاريخ هذه القوة العسكرية التي لها دور بارز في عمليات الاستعراض العسكري دائما. قوات الرهل يعني أول نقول هم أسست أول بهاريست وكذا ما في سابق المستعمر كي جاء لقي ناس يعني جابوا مية قاعدين من السلاطين أوكي وناس يعني شجاع وقدروا يعني يوصفوا قدروا يعني يحموا الشعب يعني دابا قال شنو ممكن نحطوا جيش عشان نقدر يحمي الشعب عشان ده يعني أسست الجيش يعني تحت يعني قوات السلاطين دي طبعا نقول البريمير أمير بيان يعني أول جيش كل ما استعمل جليجيا وبدل شكلها إلى يعني الاستقلال وبعدين شنو يعني خطوة جدا لسيان النظام وكوننا الجيش الوطني. نعم الآن يبدو أن قوات الجمارك نعم قوات الجمارك هي أيضا لها دور كبير جدا جدا في مكافحة التهريب وما هو موقعها الملازم؟ يعني الجمارك يعني إنهم يعني كاتيجوري نقولوا أول في يعني قاعدين في إدارة ودل يعني خاص لدورهم في مكافحة الفرود يعني دول يقولوا التهريب نعم التهريب على ده بريغاد كونوه خاص لشنو؟ يتابعوا الناس اللي ممكن ما يكفوا ضرائب ويجيبوا تجارب وما عندهم ما يقدروا يكفوا الناس قاعدين نعم الناس شكلهم البضائع المهربة نعم المهربة نعم هي لحظات فرح ولحظات سعادة حقيقة بالنسبة للتشاديين كلهم بمختلف ألوانهم السياسية وطبقاتهم لأن هذا العيد هو عيد وطني فيه تحرر الشعب التشادي من الكابوس السياسي الذي دام 8 سنوات. Pas de plus normal que de célébrer sa journée de la liberté et de la démocratie aujourd'hui, c'est 1er décembre 2017, le 17e anniversaire est commémoré ici à la place de la Nation et c'est une fierté. Pour tous les Tchadiens, c'est après les éléments de la douane, c'est
les éléments qui se préparent, ce sont des... La douane, elle est entrée dans le beurre il y a d'ici là 3 ans, parce que 3 à 4 ans, parce qu'avant, elle ne participait pas. Après qu'elle est la force de deuxième catégorie, elle est partie maintenant, elle est formée, mais ce sont des éléments qui sont formés dans les centres d'inscription de Moussoro depuis une belle durée. Et ces éléments, ça sont formés militairement d'abord. Et une liste de services, ces éléments sont mis à la disposition de la direction des douanes et pour contrecarrer toutes les actions de fraude et autres. Et nous avons les éléments des eaux et forêts qui se préparent, elle aussi c'est une force de deuxième catégorie et qui a pour rôle de protéger l'environnement. Et c'est une lutte que même le président de la République est en train de mener pour pouvoir lutter contre les faunes et aussi pour la préservation de l'environnement. Voilà. Elle aussi elle a subi la même formation, vous allez voir le cadence au même rythme de commando, parce que vive ce que le président a dit, il faudrait que toutes les choses, que ce soit de la première catégorie, de la deuxième, et le même rythme de cadence. Et c'est pourquoi maintenant, quand on a pu former tous ces gens, ils passent dans les mêmes centres d'instruction pour qu'il y ait, c'est-à-dire une formation spéciale et qui concerne tous les corps. Une formulation de la formation pour les corps. التي تعمل باستشراف وزارة البيئة. أيضا تم تدريبها في مركز الضوابط العسكرية بمصر أي لتشارك في مثل هذه المناسبات، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بأن كل الوحدات النظامية لابد أن تخضع لتدريبات عسكرية لتشارك حسب ما ذكرت. نعم، ومهمتها طبعا هي يعني حماية الحياة البرية وحماية الغابات والموارد النهرية. هذه هي من اختصاصات شرطة أو قوة حماية الغابات. دورهم زي ما ذكرت دورهم يلعب كثير، وقوات حماية الغابات يعني هسا عندنا في تشالنج كبير، خاصة الحديقة الزنقوم قوات الغابات ممكن يعني دورهم هناك يعني إن أهمية أكبر. Ça c'est la police municipale et la police municipale qui doit contribuer dans la sécurité de la ville et la protection contre le vandalisme dans la marché. Et après la police municipale là, ça en suivra نعم الآن تشاهدون الشرطة البلدية ولها دور مهم جدا أيضا في الأمن المجتمعي، خاصة تأمين الأسواق والشوارع من بعض الممارسات التي تفسد الشوارع والطرقات العامة، كل ذلك هو من عمل شرطة البلدية، وذلك بهدف الحفاظ على نظافة المدينة و محاربة الأوبئة والأمراض أيضا، فعملها عمل ميداني ومهم جدا جدا. وبعد ذلك سيأتي دور المحاربين القدامى، يعني هم أيضا في ذكريات جميلة بالنسبة لهم، لأن هذا المشهد وهذه التظاهرة التي تجري الآن بمناسبة عيد الحرية والديمقراطية تعني لهم الكثير بالنسبة لهم. Leur nombre diminue de l'année en année, et c'est dommage que les anciens combattants, comme ils ont passé ça fait déjà des années, et ils viennent à chaque fois assister aux différentes cérémonies de prise d'armes. Et aujourd'hui, par rapport à la 27e journée de la liberté et de la démocratie, ils sont présents. أن مرور هؤلاء المحاربين
المنتخبين القدامى دائما يسير الرئيس الجمهورية سابقا وهو يشاهدهم في حدث سابق ابتسم ابتسامة عريضة للتعبير عن وده لهم يعني نعم واحترام شديد لهم Et ils ont une place. Ah, bien sûr, c'est une musique sociale. Parce que, comme je l'ai dit au début, ça c'est le rythme commando. Donc, ça c'est. Avant, on a. Ça c'est juste pour les défilés pédestres. Donc, c'est juste une marche qui s'est faite à la hâte. Donc, eux, quand ils ont servi pendant longtemps. Donc, quand on a restauré, ces gens de musique commando, ils n'étaient plus là. Donc, on ne peut pas vraiment continuer avec ces rythmes de. Pour les équipes qu'on va attaquer. Donc, par exemple, on a entamé jusqu'à la musique du groupe Maningué. Et vous voyez, ils sont humbles dans leur tenue et une cadence comme il faut. Juste pour prouver à cette génération qui vient d'embrasser l'unité d'armes, malgré l'âge qu'ils sont assez valides et ils peuvent aussi apporter des conseils et des orientations pour que cette armée vraiment évolue dans tout sens. Commémore aujourd'hui le 7e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie. Et vous avez suivi, vous êtes en train de suivre le défilé. Et c'est les anciens combattants qui sont en train. Ça, c'est la France métropole. Ils ont servi la France et la raison pour laquelle jusqu'à là, la France leur doit beaucoup de choses encore. Ils sont vivants malgré l'ombre de standards que tu fais. Mais ceux qui sont présents avec nous viennent toujours assister à cette prise d'armes pour prouver vraiment leur attachement à l'armée. Et c'est des démonstrations. نعم لست عن القدامى الدور الذي لعبوه صفوف الجيش الفرنسي طيب يعني للأساتذة زمان عضو في التحرير فرنسا في يعني حرب الدول السابق الأول والثاني دول يعني يدعوا سانرو فرنسيين وقدروا أن يحرروا فرنسا يعني هم أكثر من ذلك لكن يعني لكل بلاد هم خصم الله والقاعدين الشيعة أي مناسبة بجوا وبنت موسى الكبير يعني بنت زكريات لأسر الجيل لأسر قايد ممكن يعني شيخ منهم ويعني نعم ويعرف أن هناك أرواح كبيرة تضحت من أجل فرنسا لذلك دائما فرنسا تكن ودا خاصا للتشاد لان الذين ساهموا بشكل كبير حظها التي فازت انتصرت فيه يعني نعم لتحرير فرنسا Oui, nous assistons à des démonstrations des détachements de la police. Ça, c'est des acrobaties qu'ils ont insérées depuis la cérémonie du cinquantenaire. Fêté en 2010, où on a amené des gens qui sont formés dans l'acrobatie, c'est-à-dire des karatékas, qui sont spécialement pour la défense, d'abord physique, et pour maîtriser tous les malfrats. Donc ces acrobaties aussi aident la police à maîtriser mieux les malfrats, les brigands de grand chemin, et même sans armes, ils peuvent vraiment maîtriser la situation. Disons pour laquelle on a inséré cette acrobatie pour que la police. Journée de la liberté et de la démocratie. J'invite l'étendard. Nam Suleiman Diabo, l'étendard national. أفراد من الشرطة الوطنية انتهى الاستعراض العسكري الكبير الذي جرى هنا بحضور رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي تيو وضيف الشرف ضيف البلاد
الرئيس السوداني المشير عمر حسن أحمد البشير الذي جاء ليشارك الشعب التشادي هذه المناسبة التاريخية، هذه المناسبة العظيمة التي ستظل خالدة في نفوس الشعب التشادي. والآن قائد الفرقة يطلب الإذن لإنهاء مراسم الاحتفال. Oui, avec la demande au chef de l'État pour annoncer la fin du défilé. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, ainsi prend fin le défilé militaire. Chef de bataillon, Gominatorera Apollinaire, à vos ordres, Excellence. Voilà, ainsi s'achève la cérémonie des prises des armes. Et d'un moment à l'autre, nous allons assister au départ des chefs d'État, des invités et rendez-vous peut-être. نعم الآن انتهت المناسبة ورئيس الجمهورية سيودع نظيره ليغادر ساحة الأمة، وأيضا سيغادر أيضا رئيس الجمهورية، وبعده سيغادر رئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية والقائد العام للقوات المسلحة وأيضا السيدة الأولى، وكبار الضيوف يغادرون الحفل. ولكن كل اليوم سيحتفل التشاديين بهذه المناسبة لأنها مناسبة تاريخية، مناسبة وطنية تخص كل التشاديين في الداخل وفي الخارج أيضا. يعني تابعتم العرض العسكري الذي شاركت فيه كل الوحدات النظامية، القوات البرية والقوات الجوية والحرس الوطني الرحل وقوات حماية الغابات والشرطة البلدية، بالإضافة إلى قوة الجمارك التي تعمل لمكافحة التهريب ومختلف الوحدات العسكرية النظامية لقوات الأمن والدفاع. فالآن يبدو أن الرئيس السوداني المشير عمر حسن البشير يغادر مكان الحفل وهو ساحة الأمة هنا في العاصمة التشادية إنجمينة، بعد الرئيس الجمهوري أيضا، وستكون هناك جلسات عمل أيضا بين الزعيمين، بحيث أن هناك العديد من المصالح المشتركة بين التشاد والسودان. Oui, le Tchad et le Soudan partagent beaucoup de choses, l'histoire, la géographie et surtout la force exemplaire, la force mixte Tchad-Soudan. Et naturellement, le président de la République, Idriss Déby Itno, et son hôte vont s'entretenir autour des questions de l'heure. Surtout les terrorismes, l'économie et tout. Le chef de l'État soudanais vient de quitter et d'un moment à l'autre, le chef de l'État Idriss Déby Itno va également, et le premier ministre, la première dame, et Haroun, il faut le dire, il y a également ce soir un banquet. Pour commémorer également cette journée de la liberté et de la démocratie. Et la fête continue partout, pour les Tchadiens, que ce soit au Tchad ou ailleurs. Non, بالتأكيد هناك بعض وتعشى على شرف هذه المناسبة. زيارة الرئيس السوداني إلى البلاد لها وزن كبير جدا، بحيث أن الحركة الوطنية للإنقاذ أسست في العام 1989، وثورة الإنقاذ التي يقودها الرئيس البشير أيضا وصلت إلى سدة الحكم في جمهورية السودان في العام 89. فلذلك هناك العديد من الملفات بين الرئيسين، وهما يحترفان مهنة الجيش، لذلك الأمن من اختصاصاتهما. فلذلك هناك نجاح كبير جدا بالنسبة للقوات المشتركة، وساهم ذلك بشكل واضح جدا لإزالة الاضطرابات الأمنية بسبب قطع الطرق وذوي النفوس السيئة. فالآن الحدود التشادية السودانية تعيش في سلام ووئام، بحيث أن هناك امتداد جغرافي كما ذكرت بين التشاد والسودان، والشعب أيضا يعني هناك ملامح فسيولوجية مشتركة، هناك قبائل مشتركة. فلذلك
عميقة جدا العلاقات التشادية السودانية، لا لم تقتصر فقط على الجانب الدبلوماسي أو الجانب السياسي، وإنما حتى اجتماعيا يعني، والتبادل أيضا التجاري الاقتصادي. فلذلك هناك ملفات ستطرح بين الزعيمين من أجل الارتقاء بهذه العلاقة بمختلف النواحي، اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا أيضا يعني. هارون l'avait si bien rappelé, le Tchad et le Soudan sont un pays divisé par la colonisation. Et le recoupement, c'est aussi au niveau de nos deux chefs d'État, tous des militaires, et la relation qui existe entre le MPS, le Mouvement Patriotique du Salut, et le Congrès National du Soudan sont des exemples illustratifs qui corroborent que les relations entre le Tchad et le Soudan sont au beau fixe. الآن يغادر رئيس الجمهورية وحرمه السيدة الأولى بالإذن أيضا، وبعدهما سيغادر رئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية والقائد العام للقوات المسلحة أيضا. Nous devons remettre l'antenne au studio comme ils ont un invité. هارون نعم نعم بإمكاننا أن ننتقل إلى الاستديو لزميلينا محمد حسن عبد الرسول وآدم عبد القادر وضيفهم المؤرخ للحديث والتعليق عن هذه المناسبة، وخاصة في الجانب التاريخي. ساحة الأمة مكتظة بالسكان، مكتظة بالمواطنين الذين جاءوا منذ صبيحة هذا اليوم للمشاركة في هذا الحفل الرسمي للعيد الوطني للحرية والديمقراطية. Oui, Haroun, l'équipe technique s'est joint à nous pour remercier les téléspectateurs pour avoir suivi la retransmission en direct depuis la place de la Nation ici, au studio à vos antennes. نعم نشكر المشاهدين لحسن متابعتكم لنا في هذا النقل المباشر، ونقول لكم إلى اللقاء، والآن تتابعون زميلينا في الاستوديو. وشكرا جزيلا.